Je sais pas si je vais faire ce débrief pour la reprise de la Ligue 1 après les fêtes et ce match contre Strasbourg. Et si pis de gars. Ah, c'est clair, j'ai vu uniquement 20 minutes du match. En clair, donc ça trois rien que je débriefe parce que je l'ai pas vu en gros quoi. En somme, je l'ai pas vu. Tellement qu'il était soporifique. En plus, moi, je me lève tôt le samedi matin pour aller bosser. Donc. Voilà, la fatigue aidant. Il était tellement intéressant le match que j'ai sombré. J'ai vu le début. J'ai vu que le début. Ah oui, on a joué 3 minutes. Après le but de Gigot, a plus de jeu, s'affoler, pas de cohérence, pas de plan de jeu, les attaquants inexistants. Franchement, prenez des jeunes, comme Hakim Barek dit à la sortie du stade. Je sais pas si vous voyez qui c'est Hakim Barek. C'est le TikToker qui dit qu'il y a peine de jeunes dans les quartiers. Comme fin, il ferait bien mieux que Koba et Vitirania, hein? Parce que toi, hein? Putain, écoute-moi, toi, Vitinha, toi, t'es bon qu'à Instagrammer, hein, je l'ai déjà dit, à Instagrammer avec des exoises, voilà, c'est tout ce que t'es bon qu'à ça, voilà, bon, t'es bon gosse, mais on s'en fout, hein? Alors oui, tu donnes des coups d'épaule, tu te bats. Défensivement, ouais, mais c'est pas ça qu'on attend d'un grand attaquant. Hein? Il était supposé être. Hein? Comme des millions d'euros, 35, 36, 34, je sais plus, mais bon, hein? C'est énorme. Hein? Le plus gros transfert. Ouais, t'as mis 6 buts depuis plus d'un an que tu es là. T'es arrivé au mercato hivernal de l'an dernier. Hein? Avec lui, comme Messi. Comme un héros à l'aéroport. C'est désolant, désolant de voir un niveau aussi affligeant. C'est bien beau de se battre, ouais, mais il faut aussi assurer les gestes techniques derrière, quoi. Des coups d'épaule, bon, ouais, ben, va jouer au rugby si tu veux donner des coups d'épaule. Va faire des mêlées. Bon, tu vas te faire crever quand même, hein, parce que tu peux gangaler quand même pour faire du rugby. Oh putain, ouais, non, mais c'est vrai que moi j'ai pas trop vu le match. Je me suis honnêtement réveillé. C'était le joueur de Strasbourg qui était interviewé. Je crois que c'est Perrin, l'ancien jeune qui a été formé à l'Olympique de Marseille, au centre de formation. On aurait dû le garder ce jeune. Lui, c'est qu'à Strasbourg. Il a sa place. Et moi, je trouve que. Je sais pas si quelqu'un s'en rappelle. Mais. Du temps où il était à l'OM, ce jeune, on ne lui a pas donné suffisamment sa chance, mais le peu de fois que j'ai vu rentrer sur le terrain, moi, je n'avais pas trouvé dégueulasse, quoi. Il jouait juste, simple. Alors, peut-être un peu court au niveau expérience. Mais voilà, il avait envie, il jouait juste. En tout cas, il jouait juste. Voilà. On ne lui a pas donné sa chance. Maintenant, ben, il fait les beaux jours de Strasbourg. Et c'est tout à fait logique qu'on ne gagne pas. Qu'on ne gagne pas avec un Congolais, hein, voilà. Un peu frêle quand même encore. Hein, blessé. Bon. Mais ça, j'ai su après, ça. Parce que je vous dis, je me suis endormi tellement que. Il était pourri le match. Mais ça, je l'avais dit après les fêtes. Là, il va être balourd. Hein. Ils se seront gavés, ils seront allés au ski, boire du vin chaud, en haut des pistes. Et ouais, après tu reviens, tu es balourd, quoi. Tu es là, tu n'avances pas. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Alors, oui, les joueurs de la CAN, qui sont sélectionnés avec leur équipe nationale respective, sont pas là. Donc forcément, ça fait des manques, mais tu te dois, avec l'effectif que tu as,
de faire avec et de te poser contre Strasbourg. Même 1-0, il était dégueulasse le match, mais au moins, mais t'as sur les 3 points, quoi. Ben non, même pas, quoi. Voilà. Mais je n'ai même pas vu le but de Strasbourg. Voilà. J'ai capoté tellement que la fatigue et l'ennui, l'insipidité de ce match était d'une envergure telle que ça m'a fait pioncer, quoi. Ah ouais. Enfin, voilà. 2 points de perdu encore. Il y a Monaco derrière. Lyon qui revient quand même. C'est plus le Lyon du début de saison. Il revient petit à petit. Et le Shakhtar, voilà. Mais j'avais pas envie de le faire, ce débrief. Mais j'ai croisé le collègue et on en a un peu parlé. Et bon, mais j'ai eu envie de le faire, quoi. Mais je sais pas où on va, hein, mais il faut quand même dans le jeu être un peu plus productif, quoi. Être moins laxiste, moins brouillon. Et proposer du jeu, quoi. Proposer du ballon. C'est ça qu'on veut, c'est du ballon, du plaisir. Des gestes techniques efficaces et réussis. Réussis surtout, voilà, quoi. Parce que bon. C'est limite, quoi. Hein. C'est franchement limite. Donc, ben, voilà. Hein. Pour la reprise, forcément déçu et endormi par le match. Alors, c'est vous dire, quoi. Enfin, le premier match, c'est. Le prochain, pardon. Le prochain match. C'est Monaco. Non, c'est Rennes. C'est Rennes. Rennes, dimanche prochain. Ma foi, va falloir proposer autre chose. Voilà, mais toujours, c'est un éternel recommencement. Hein? On est là, hein? On est présent. Alors, ouais, voilà, la richesse de ce club, c'est ses supporters, quoi. C'est tout. Voilà, heureusement qu'il y a des supporters. Mais bon, à force, il n'est pas sans le public marseillais. Mais peut-être qu'il va un peu déserter le stade, et que c'est bien de mettre un peu la pression, parce que l'indulgence c'est bien, mais c'est pas trop de qualité marseillaise, hein? Alors produisez du beau jeu, faites plaisir, c'est tout ce qu'on vous demande, c'est pas compliqué de faire votre métier, jouer au ballon. Je comprends pas, moi. Je comprends pas. Enfin, voilà. C'était pour moi. C'était la fin. C'est tout pour moi. Allez, l'OM, quand même. Et à la vie, à la mort. Ensemble, on est toujours plus fort. Tu le sais.